Il est où le Ryu? Eh ben écoute, il est pas là. Ah non, non, je pense que là, il sait ce qu'il vaut. Alors, il sait ce qu'il veut faire. Et là, contre Demos, il a pas le droit de donner un match gratuit comme ça avec un perso pour lequel il n'y a pas forcément la confiance. Donc c'est parti, anti-smash vide pour les vrais. Le père à la place du backer, du coup ça touche pas, c'est fini par un grab. Oh là là. Smash, le trailer raté de la part de Demos. On a vu un début de standing laser avec Falco. Rip. Les fils. De neutral air, ça ira pas plus loin. Cancel. Ça c'est vraiment sa spécialité, Aragon. Faire son neutral air, atterrir sur le dernier hit, ça lui permet de combo avec un petit peu tout et n'importe quoi. Voilà. Oh donc, dommage mais ça. Oui mais il s'est cru sur Brawl l'idiot, oh là là. Il fallait partir sur autre chose. Mais c'était bien vu, ouais, ça commence, on voit qu'il commence à vite comprendre comment ça se passe dans la tête de Demos. Là, le dernier coup qui passe derrière. Le crosseur. Forcé, parfait, merci. Ça fait plaisir. Là, Aragon qui se laisse pas. Non, la diagonale du bide. Terrible. Non. Et Demos donc avec un avantage très confortable, seulement 70%. Après, on a vu tout à l'heure. Non, le backer de Falco. Un bon backer allège, 100% c'est plié. Mais c'est vraiment un truc de fou, hein, parce que, genre, t'as des backers ultra forts dans le jeu, tu sais, le backer de ZSS, le backer de Bayonetta, mais celui de Falco, j'ai l'impression que c'est un tir encore au-dessus. Genre, il a un peu moins de range, mais en termes de patate. Il a la patate, il a la vitesse, ce coup, il sort très très vite. Là, Demos qui a bien compris d'ailleurs, il prend pas de risque, il revient sur le terrain. Là, donc, il cherche un petit peu l'ouverture. Oh là 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 là, c'est bon. Backer, ça va sur dash grab, la spéciale Falcon. Oh mon dieu! Oh, il a dodge! Il lit totalement l'air dodge! Merci Aragon! Dit l'outre-corps. Voilà, Demos qui hoche la tête, ça c'est fait. Même si j'ai perdu mon stock, j'ai quand même bouffé le sien à 30%. Un stock d'avance pour Demos. Ouais, joli ex-messia de la part de Demos du coup. Du coup, neutral air. Alors Aragon qui se cache dans un shield à moitié cassé. C'est vraiment pas le bon plan. Le backer qui fait le perfect shield par. Joli, le trailer backer. Il va falloir plus de trucs comme ça encore. Oh là là, 3 UR. Il attend. Oh là, je m'attendais presque à un Deathmatch. Il avait tout, franchement. Après, il avait le monde dans sa main, il l'a raté. Je pense que ça a été le fait que c'était un fast faller. Il a pas adapté son combo. Il est tombé assez vite pour toucher le sol et ne pas se prendre ce UR. Je pense qu'il fait une dash attack pour s'enfuir. Le upper qui whiff, mais du coup, voilà, petit wall jump. Ah oui, très bien. Il était au sol, c'est pas grave. Ça... Voilà, le coup de canif. Aragon qui suit. Et on space les backers sur le shield de l'autre. Ah oui, là, de toute façon, ce match-up, c'est ça. Aragon qui reste en shield. Il a la patience sur le petit laser, comme ça, là, tranquille. Tu utilises le laser parce que le mec est offstage et du coup, enfin, il est un peu trop loin, du coup, j'ai envie de gratter les pourcents. Et ensuite, tu te fais punir. Tragique. C'est ça. La tristesse. Donc, Aragon qui a fait du mauvais jeu, là, hein, vraiment. Ah bah, le petit suicide, le B-down, plus l'air dodge dans le B-down de ZSS qui attendait que ça. C'est vrai qu'au final, il y a eu un suicide, mais c'est surtout l'air dodge mal placé au mauvais moment. Je pense que c'était le tilt du suicide. Donc là, il va falloir que Aragon il se rattrape. Du coup, a priori, Demos qui va rester sur son pic. Pas de raison de changer, hein, ça a bien fonctionné. Mets pas Alexia où qui veut. Si tu gagnes, bah, tu continues sur ton perso, c'est tout. Bah, même dans le neutral game, de toute manière, c'est pas comme si ça a été uniquement à cause de ces mouvements clés du match que Aragon avait perdu. Ça se tapait pas mal. Demos trouvait les plus grosses occasions avec sa chaîne de UR. Là, il a bien attendu la dodge, on voyait qu'il était prêt. Du coup, effectivement, on a un switch. Ryu. Aragon qui ne se sent pas du tout à l'aise dans le match-up, là, du coup, malgré avoir assez fessé Serprit. On va voir ce que ça va donner. Hein. Moi, j'ai pas encore vu ce Ryu sur le stream aujourd'hui. Non, mais moi, je l'ai jamais vu en tournoi, ce Ryu. Moi non plus. Après, Aragon n'est pas un des joueurs qu'on voit les plus souvent en tournoi. Il voyage pas à Lille, etc., par exemple. Du coup, bah, Ryu très technique pour avoir pu jouer contre lui en session. Et joli, ça! Pas de conversion après le Deathmatch, malheureusement. Un petit job, ça fait toujours plaisir. Mais... La focus, excellent ulti, mais qui se fait counter par les différents tops de différentes manières. ZDCS n'est pas une exception, voilà, neutral air tout jab par exemple, joli standing grab, 3 UR, hop. Très peu de pourcents sur ce UR maintenant, ça fait plaisir à voir, et en même temps ça fait un peu de peine. Non, ça va. Non, ça va. Pas de peine, pas de soucis. Hadoken. Ah. Ouais, le struggle. Shabinetsu. Alors là, on voit le struggle, et en même temps, oui. En même temps non! Un petit peu trop long, je sais pas pourquoi il a pas pu connect. Je pense qu'il aurait dû dash cancel son.
Ah oui, tout à fait, bien sûr, il n'a pas d'âge cancel, effectivement. Ah ouais, du coup, bah ouais, ça rate. Ah là, le backer du patron, c'est ça qu'on veut. Oh, par contre, ça c'était un dash cancel au moment où il fallait pas. Voilà, le Tatsuma qui s'aime tout quelque part. Oh là là, mauvais côté. Et ça va être le truc sur Ryu. Et voilà, et poubelle. Hein, t'es passé sur le shield de Ryu. Et ben il s'en fout que tu sois derrière lui parce que son détilt, ou son up-tilt, ils sont frame 2. Voilà. La vraie question c'est est-ce qu'il va maintenir cette précision technique. C'est quand même un des persos, un des quelques persos dans Smash 4 qui sont vraiment demandants. Si tu foires tes inputs, tu sers à peu près à rien. Tu te remets à faire des B-up au lieu de faire des shurikens. Oh, la petite dédicace à Lives. J'espère qu'il est content dans le chat. Le double trou Shoryu à la suite. Voilà, un dans un sens, un dans l'autre. Le thème de Ken qui joue en fond. 1% d'avance. Et voilà, ça c'est fait. Mais donc on a vu ce que ça donnait. Hein. Après, Deimos s'était laissé largement ouvert. Donc c'est pas comme si Ragon avait trouvé une ouverture pour clore le premier stock. Malgré tout, c'est parlant sur comment ce perso fonctionne. Tu peux avoir 70% de retard, t'as besoin de 3 phases et demie et d'un Shoryuken. C'est ça. Ryuk a du mal à trouver les ouvertures là. Hein, du coup. Il cancel ses dash et du coup il prend pas le temps d'utiliser la super armor. Tentative de backer du patron, comme tu dis. Mauvaise posture, il a voulu absolument économiser son saut et du coup, il a mangé. Oh là là. Et voilà. C'est pas safe, hein, c'est pas safe. Du coup, là, Deimos qui est en très très grosse avance. Ok, petit neutral air out of shield, mais ça va pas plus loin. Bah, c'est difficile hein, dessus sur le neutral air. Même si le neutral air de Ryu est vraiment très bon. Là, petite dash attaque tranquille. Deimos qui revient en saut dans le plus grand décal. Un Deimos qui joue vraiment bien sur la mobilité de ZSS pour mettre la pression raté. À Ragon. Standing grab, joli, le petit fer, down smash. Oh c'est râpé. Et on a vu un double saut partir, est-ce qu'il va pas remonter? Oui. Non. Bien joué de la part de Deimos, hein. Encore une fois, ça fait deux fois sur le stream. L'avantage au stock. Dommage, hein. il y avait de l'idée, mais il a juste pas trouvé les occasions dont il a besoin. Il a pas réussi le neutral surtout.